Ma Mission TV, le miroir du monde. Oyo nzambe alakisi bobé moko ekuzaiki eza na nzela ezali koya alobi na yo déjà alobi na bino déjà que bobé moko eyali ekokuela bato mibaba balé. Alors moto ayebi ko za la candidat président azala pe na mo a losambo na kati na ye po akoya na kati ya mami balé wana te. Bibi, on est resté dans ces pays avec des intouchables. Un moment dans ces pays, on a connu une personnalité à détourner 32 millions de dollars à SNEL. Et les kaka galoko à mon Mwanamzoum. Aujourd'hui, Gilles Alinguette, c'est l'espoir d'un lendemain meilleur de la RDC. Au niveau de Gilles Alinguette, il fait son travail. Il dénonce qu'il y avait 400 000 dollars que le tournoi. Le gouvernement appelle ça qui pour un tournoi qui pour interscolaire. Tournoi interscolaire. Où le ministre Tony Mwaba, a donné 160 le super millions. Ministre de l'EPST, Tony Mwaba, ne parvient pas à justifier. Tu ne peux pas changer le comportement d'une personne en une journée. Ça prend un peu du temps. Alinguette ne demande juste une justification. Mais que Tony Mwaba vient justifier 400 000 dollars de contribuables congolais. Il y a là qu'on peut s'en rendre la justification. Totangi dans les réseaux sociaux. Qu'il a remis 160 000 dollars chez Tchipchipamba na Transco. Tchipchipamba, c'est un homme serein, je le cite ici chaque jour. L'espoir et la Transco aujourd'hui entre les mains de Tchipchipamba. C'est un homme, je dis, je précise, un homme serein. Il a précisé, Transco a dit que dans la zone, 16 000. Donc la facture de Transco a été multipliée même pas fois 2, même pas fois 3, fois 10. Moi, personnellement, j'ai fait des investigations. Nassali Anga la Monique, jusqu'à preuve du contraire, Tony Mwaba ne nous donne pas des explications claires et nettes avec preuve. Il y a dépensé 400 000 dollars. Ce qui est sénateur à vie, Alembi, sénateur à vie, il a le droit de revenir comme candidat pour avoir encore sénateur à vie à Mibale. Des sénateurs à vie, des immunités. Il y a mandat ou quoi? Il y a mandat. Et ça clarté dans la constitution, dans la partie où on a. Et ça clarté, il y a quoi? Mais Joseph Kabila s'est attaqué un foulard, une écharpe, que m'a validé, il est devenu sénateur à vie. Moto O, Asilisi Bokondi, a commis sénateur à vie. Ça veut dire, Asilisi Bokondi, a commis sénateur à vie. Ça veut dire, mais la constitution ne nous dit pas que ceux qui ont commis aussi si Bokondi, commis sénateur à vie, mais au coqui kosonga na yo li sous candidat. Titre wana ezalaka honorifique ou ezalaka titre moko penza aujourd'hui en on te considère comme aussi au longue de makambo ya présidence et sili. Au commis sénateur à vie. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bon lundi à vous tous fidèles de AM TV. Encore une fois, Tokutani na Katia, rendez-vous mon ennemi Allo Congo, émission à ba Congolais, émission à ba Po Congo, émission à bateau, balingaka Congo, lokolanga, ce qui va Kati Makila et Gangaka Congo, Congo, Bisikanya Sobazwami, Nape Sibino Mbote et Nathalie Sibino, Lissou Souté Bisso, ma Mission TV, Toloba. Nabino to signa contrat à cause de la liste, nabino lito, inabino makolo, nabino koki en temps réel. Donc on continue pour ça, yango bobo mesano po bozali a biso, biso tozali a bino. Et bozali lelo 164 000 abonnés à cause de la biso confiance. Bozali ko garde fidélité, nabiso et linko lobate. Na moke moke atan a 10%, tozali ko sala nabino mosala. Oye zali ko monana, de yango bozali ko garde toujours fidélité wana. Nakati, yambo ka Congo pote lelo to lobela lisusu. Makambo etali mboka. Semaine est bandi, mais n'a pas nouvelle mon sousso. Pasteur Dalo Philadelphie, Atali Sibiso à lobby. Na 2023, ba candidat Misato. Moko akosuka na chaise roulante. Moko akokufa, moko karanda rokende na kozwa. Ngwende. Na kati ya bato atangi,
na prophétie wana oya moni atangeli biso kombo amutute tozo komitu na siko e kozala nani question mark est-ce que kozala a e kozala b e kozala c toyebite na plateau na biso mokolo alelo tozali na mwana mboka Dede Amuli Binamis journaliste analyste politique na yende toko solola makambo itali Congo mokolo alelo na pese mbote mbote mama bibi za na sengo makasi za na yo na mokolo alelo donc ça y a un plaisir je crois après voyage dans la Mikili à Poto, Nande Opozongi, Tokutanite. Donc, merci pour l'invitation de la journée d'aujourd'hui. Merci. Mais vous avez dit que vous Piaka, Mikolo, Mbouke, Piaka, Mbawe, Makasi, Mbawe, Aigu. Donc, c'est ça qui est. Nous sommes tous les gens qui ont dit que mais bon, c'est notre Congo, on continue avec, on vit avec, on n'a pas le choix. On fait avec. Pasteur Dalo, 2023, élection. Trois candidats, moko akosuka na kiti, moko akokufa, moko nde akoleka. Vous de votre côté, tango yo ki prophétie wana ou analyse nini. Bon, moi je crois que nandenge to yebeli mli lobanzambe, babi oyo ebimi na mpoisa, ezali donc ce qui est révélé, condamné. Donc, c'est qu'on peut demander juste na ba candidat président de la République. Donc je peux faire partie aussi, hein, en 2023. Tu as toujours la vie de prière, parce que c'est déjà révélé. Donc c'est pour vous faire comprendre, il y a un peu de temps en colo, parce que Oyunzambe, à la Kissi, Bobé, Moko, et Kouzaïk, et là, à l'obina yo déjà, à l'obina bino, déjà que Bobé, Moko, et Ali, et Koukou, et la Batomi, Baba, Balé. Alors, moto a yebi quand on a la candidat président, a ça la paix na moi losambo na kati na ye pour quoi na kati ya mami balé wanate parce qu'on n'a pas cité le nom ya mami balé. C'est ça le problème, on a des sikezo cher confusion makasi. C'est une façon aussi que Dieu peut amener ses enfants au bon za la candidat président de la République bas à la paix na communion na ye. Aza nkolo. On dit toujours il est miséricorde, il pardonne quand il veut, il pardonne selon son vouloir, il bénit selon son vouloir, il fait tout selon son vouloir. Toi, mais qui est là, mon aïe? Aïe, mais oh, ni n'y a pas de ah, il y a ça, la paix, Bibi Boé, Sima, Bibi a côté ma bonne délit, Bibi a Fukami, Bibi a Samedi Makasi, à Longoli Paye, et le quoi, non. Pour moi, je demanderais, dans ma candidat président de la République, Nyonso, on connaît que vraiment parmi ma pasteur, Thiel et l'autre, on ça. Confiance, il y a le pasteur Roland Dallo, il y a le pasteur Dédé Landou, il y a 2, 3, 4 pasteurs Oyo, personnellement, à la Yébi, à Toms, que je salue aussi, que dans mon rappel, à Tamouana Nzela, vraiment le Lengue et Longobadi, à Zamouana. Donc tu sais que aujourd'hui, moi, je ne suis pas un pasteur. Hé, toi, tu es un pasteur, parce que tu es un pasteur en 2023, parce que tu es un pasteur. Ozali ko ndimela jusque là. Otangi trois pasteurs. Dédé Landou. Ah, olobi ba bazo tambola na nzela. Allo, Bali, Florian. Bazali y a quelques pasteurs que personnellement comment on Longuelo Faustin. Je connais quelques pasteurs. Oh, jusqu'à preuve du contraire, je vois que bazana nzela, il y a Losambo et puis ils ne sont pas dans de distraction pour distraire le peuple de Dieu. Prophète Denis Lessi, je ne vais pas le critiquer, c'est une personne que j'aime bien parce qu'il est dans de vérité, mon blagon. Mais non, il y a aussi des prophéties, c'est une parenthèse, Nathiano Pemé, du côté prophétie. Mais ce qui me plaît chez lui, et ça, c'est que, Nakati Ali, c'est qui naïe. Pétage. Il ne faut pas l'écouter juste pour rire. C'est une personne, le roi papa Léon Nembalemba. Maloba kanali seki, mais nakati ali seki ya maloba na bango ya la kana bosolo. Donc ce qui papa Léon Nembalemba ko loba. Ko landa e kaka na li seki te. Kota nakati ali seki na e wana. Ozo vérité. Il dit des choses directes. Vrai. Vrai, mon blagant. Même ma blagant. Eh,
Bino bobo là, papa là, bon c'est qui? Mais quand la soukara naie bongote, parce que je travaille avec lui, je connais la personne. Ceux qui a cette vidéo naie, toi c'est l'émission. Na ça la émission papa Léon toujours na deux façades. Na c'est qui? Parce que il est comique. Comique aye biko sko animé biso. Et puis na koti na mutu naie ya mayele. Alinga ke lobani. Et puis dans ça la lecture après na ikoye ba que et si quand papa Molière message dans les alibos. Ceux qui n'ont pointé de Kodeni Lessi, Talisa Kibiso Alobi, Joseph Kabila va revenir d'une manière ou d'une autre. Tomoni, Néhémie Mouilania, na TV5, Aleki Alobi, Batounie Motouna, est-ce que Kabila va revenir en 2023, postulé comme un candidat président de la République, à Talisa Alobi, rien ne lui empêche de revenir. Na constitution na biso. Bon. To moni maman Olive Lembe, atalisi ba maman ya Kalemi, na pendant ba fête ya mois de la femme, alobi, et ya journée internationale de la femme, alobi, bossa la confiance na Joseph Kabila, oyo, akosa la kabino kaka, ba promesse était. Vous de votre côté, tant aux Okoyo Kanyo, ce n'est pas prophétie, il y a prophète Denis Lessi. Professeur, vous avez quand même ici. Je crois que le niveau de la constitution peut vous avoir une difficulté. Na côté Nini. La constitution est le biais de Moto Oyo Asilisi Bokonzi, a commis sénateur à vie. Ça veut dire. Asilisi Bokonzi a commis sénateur à vie. Ça veut dire vina mo maté liwa nae akokufa. Mais la constitution ne nous dit pas que ceux qui ont commis Asilisi Bokonzi ont commis sénateur à vie, mais au koki kozonga nae li sous candidat. C'est là où maintenant la sagesse ya cour constitutionnelle na bato basalela déjà système oyo ndeto koyeba Nangonga yango. Parce que je me pose une question. Si le chef de l'État, Yabiso Akala, Joseph Kabila, Akendaka naye par exemple, Kozoa, écharpe naye wana ya sénateur a vité, a renoncé naye que moi j'ai d'autres ambitions politiques, na okenena noutebo validenga étant sénateur. Il pouvait revenir avec une histoire du genre en 2023. Que na boya qui siège à sénateur à vie parce que je savais que après mandat on a koya titre wana ezalaka honorifique ou ezalaka titre moko penza aujourd'hui on te considère comme aussi au longue de makambu ya présidence et sili au commis sénateur à vie mais la constitution pe ezangisa ki eloko koloba ete ce qui sénateur à vie alembi Alembi sénateur à vie, il a le droit de revenir comme candidat pour avoir encore sénateur à vie à Mibali. Donc, en comment on a deux sénateurs à vie, deux immunités. Il y a mandat ou kuna, il y a mandat. Donc, deux constitutionnalistes doivent nous éclairer la parole. Parce que, et ça, on n'est pas constitutionnaliste. Et ça clarté na kati ya constitution na parti wana et ça clarté ya koloba na biso été ndenge Joseph Kabila s'est attaqué foulard na ye écharpe na ye que ba validé il est devenu sénateur à vie. Alors ndeko dede amuli kota na prophétie au pesami déjà bazali kota li sabiso moke moke kokoso na niveau ya qu'on réalise l'élection en 2000, qu'on organise l'élection en 2023, il y a est-ce y aura des élections crédibles au vrai sens bon, ce qui est évident, le chef d'État, je crois que dans l'interview de Soukouassé dans la Belgique, il a confirmé qu'il y aura bel et bien les élections en 2023. Déjà, j'applaudis parce que ils ont causé la batougnon et à cause de la paix, mon coeur est candidat, oh, bah, pour Luca, à Sénégal, il est topé, c'est sous confiance, à ce qui tentait le mandat, oh, à ce qui est un projet de société, naïe, un mandat, oh, et Zali Koya. Je crois que dire que les élections et ça, la matin, ça sera
une erreur monumentale. Mais côté la bah, élection, il y a bah, gouverneur et ça limité. Report sur report. Confiance, Penza et Zaliko, vous allez toujours garder pour aller comme vous avez l'élection, il y a Congo Mobima. Nous sommes un jeune pays démocratique. Nous sommes contre la démocratie active il n'y a pas longtemps. Ce qui fait que Toubunda, c'est pas facile à un pays pauvre comme nous. Nous sommes un pays très pauvre. Nous sommes un pays riche. Potentiel. La potentialité, toi, riche. Maintenant, on lit à Bouina, on lit à Lipa, à Mwamba. Donc ça veut dire richesse en boka et on a ça n'est plus relié parce que si quoi non Thompson au coup d'abord l'année tu as rose les la base n'est plus y a donc le mot la richesse la foi vient de ce qu'on attend et ce qui vient de la ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas na ni na biso ndeko bina miss kota la makambo ya élection il y a ba gouverneur tomoni bongo mo la mboka je koko akeyi kotika na ba province mususu tomoni ezana no ko créer moi batiraiement et puis ebele bazali ko bwa ke la mo la mboka ba ati lukwebo mabanga surtout bandeko ya PPRD mosaïque bango batali si balobite azali penza ko pesa bango valeur mingi te. Bon pour la ndeko je koko muluma je koko c'est un kinois je koko connaît la ville de Kinshasa, Jekoko a démontré déjà de quoi il est capable. Donc, au Kamba, ville à Kinshasa, Zali Kosenga la moto, à Yébi, ville à Kinshasa, na moto, Azali Kinoa, ton moto, Azali na volonté. Jekoko déjà, na Kingabwa, na Limete, il a démontré de quoi il est capable par rapport à la vie à proximité de la population. Ok. C'est pas, Jekoko, c'est pas un hypocrite. Jekoko, c'est pas un Richard. Il a un bon côté. Ce qui est bah, milliard, mais il vit déjà à proximité. Donc, il est ensemble avec l'électeur. Il est ensemble na Batounaï. Là, Kinoa Mokota Ouanga, Gérard Moulouma, na côté Ouana. Tout y est lié à Zangi Defoté, à rappeler à Bakanda Naye, à rappeler à Badefo Naye. Mais, Kouye Bakouvan, na Batou, tu peux aller, Lelo na Kingabwa, ok, na Limete, tu auras des témoignages. Oyo, y a Jekoko. Non, si tu ça ne connais pas Kinshasa. On dit en français une chose. La personne qui gère bien son foyer, déjà, peut gérer une société. Ça veut dire, tant que vous avez déjà que Sangi Sabatou, mi balé, 10, 20, 100, ou parvenir que tu as une attente, ou une facilité, il y a Koko m'appelle na 1000, na 10 000, na 20 000. Comme Jekoko, déjà, en amont, a yébi, ko sangisa Kingabwa. J'ai koko met la paix na Kingabwa. Na bakuluna, na ba mama recherche, na ba mama là où il y a de tiraillement, quand il descend, on l'écoute et il sait comment gérer la situation. Tu comprends? On peut donner quand même la confiance. Moi personnellement, je donne confiance à Jekoko. Malheureusement, c'est pas vous qui votez. Non, je ne vote pas. On connaît de réalité à ma députée provinciale d'Abisso. Je crois que cette fois-ci, il y aura quand même on aura quand même la conscience. Il y a quoi, bah, été. Na 10 mois et un paiement au Basali na yango, tu as même qu'on perdre 3 députés provinciaux Nangambwa Maïndombe. Bon, c'est un accident qui arrive peu à leurs âmes. Que Dieu. Mais Congo est-il qu'il y a 10 mois et un paiement. C'est là n'empêche, parce que c'est leur droit. Il y a paiement là-bas. Le pays a des difficultés, le pays a des problèmes, le pays a des escrocs, le pays a des détourneurs, le pays a des ministres qui prennent des 400 000 dollars pour donner 16 000 à Transco et dire qu'il a donné 160 000. On comprend avec qui on a affaire. Je disais précédemment, ouais, nous sommes dans un pays où il y a trop d'amateurs. C'est-à-dire, les gens qui viennent apprendre Moussalande, Nakatia, Moussala, Lipekamoro, Litoi, Lipekamoro, Litoi, Menamoto, Moussala, Moussala, Maïle, Malonga, Ezate, et on vit ce qu'on est en train de vivre. Mais je crois que le président Félix, avec l'expérience, a comprendre que Bato union sopé baro ibayaki yaki na makele ma français belé na monoko lelo mboka emati atam qui était même Kenya Air nani Kenya Airways nous menace. Nous menaçons déjà arrêter des avions, on a une insolvabilité à la République démocratique du Congo. C'est vraiment ridicule pour un pays comme le nôtre, tout comme à niveau yo même Kenya yo biso na richesse na biso à sol na sous-sol tout l'équipe babo mais bah vendre ça côté aviation
na Afrique. Donc, c'est un bon sungi, mais toi, peine à m'y sauver. Ma pèse m'y sauver. Mais toi, on est la location n'avait que probabilité à achat. C'est-à-dire, si tu as un bon achat, tu as un peu de sommes à la bisouane. Mais ce qui est décevant, tu as un coût pour foutre à la louette. Donc, moi encore, tu as un bon. Donc, le pays est en train vraiment. Il y a autant de mal à au glisser l'eau comme moro concernant des tourneurs, au glisser l'eau comme moro concernant bateau basali na matérisme basali koya ko pratiquer tope koye ko la na ba institution lelo na ngambo na yo tango basali ko kalikambo tope guerre médiatique to basali ko mona basali ko tali satende ko Jules Alingeta accusé ministre ya EPST Tony Mwamba na détournement et surfacturation ya misolo tope fond alloué na likambo tali tournoi interscolaire lelo soki olobi totala est-ce to couper sa confiance na dénonciation oyo ya IGF toto kokende kotalisa directement makambo yo bazali ko accusé de ko Jules Alingeta kotalisa tazali ko sélectionner ba enquête na ngambo na ye soyo na landi premièrement côté ko sélectionner ba enquête il peut pas le faire de la sorte pour sélectionner te quand il y a des inspecteurs oh ya yeba ko sala pa na ye lo bata papa Molière précédemment beaucoup mis déjà ko accusé mon kotizabino kaza ko sélectionner c'est lui qui vous oriente Il y a un coach. Le chef Moutou à train. Moutou à train. Donc tout le retombé à ma béo, Koukou et à IGF. Tant que le banan, IGF. Moutou dit dans les cabines dans Moutou. Gilles Alingeta. C'est-à-dire, quand un inspecteur, il y a IGF, à commettre un bêtise, Baroumou Nanani, Gilles Alingeta. Quand il oriente, il y a le droit coach, après si coaching na y a match. Ce qui est qui pour un épaulé. Oh, il y a poli. À ta défenseur, il y a 3 buts. Bah, vous savez, mais pourquoi classer qui défenseur voilà. Bah, vous savez, mais pourquoi ça qui est une attaque. Donc, c'est-à-dire, Gilles Alingeta donne des directives et des orientations. Ce qui bide nos inspecteurs, il y a Monique, ah, si il faut attaquer dans le secteur, il faut attaquer dans le secteur parce qu'ils cherchent à maîtriser aussi. Alors, Panzabi, nous foulons partout. Et vous serez corrompu à gauche et à droite. Et ma corruption, on est comme Bima Kelly, chef, comme il y a Bambongo, et au coup, il a la montée d'ailleurs. Quand tu es coach, tu dois coacher avec expérience, sagesse et vision. Donc, côté, on a réclamation, inspecteur, on a Yoka Kiango, moi je crois que c'est non fondé. S'ils ne veulent pas travailler, comme avait dit Papa Molière, qu'ils se retirent. Il y aura de ceux qui vont travailler avec la vision de la personne au bâtiment dans mon tour. Oh, y pas si eux, ils trouvent y a chef de l'État. Qu'ils sont limités par rapport à quelque chose qui nous amène des de détails, des preuves. Oh, et que Jules Alingeta, Arotamboussa, IGF, Malongate. Vous comprenez? Aujourd'hui, Jules Alingeta, c'est l'espoir d'un lendemain meilleur de la RDC. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est que je le dis par rapport à quoi? Bibi, on est resté dans ces pays avec des intouchables. Un moment dans ces pays, on a connu une personnalité à détourner 32 millions de dollars à SNEL. Il est caca à l'eau à mon Wananzoum. Tu vois comment on a vu dans Bissonani, Excellence Luzolo Bambi. Bâtier, on a tolérance zéro. Luzolo Bambi nous a promis qu'il y a 15 milliards de dollars. Oyo, et Bunga Raboué, et Koulaka, et Kotra na Kessa l'État. Ma PCIE, Bokondi, on n'a pas Joseph Kabila. Nous avons le bambi, tolérance de l'Erekoufa, Akanga, Moutouté. Il n'a même pas dénoncé à Moutoumoko. Or, il y avait l'inspection générale de finances qui existait depuis. Mais quand tu as le problème, on a dit que Gilles Alingeta, n'est-ce pas, tu as le bâté que les Alipé faire souffrir tant que sous bateau bazala qui avant Jules Alingeta. Pour les autres, tu as dit que Gilles Alingeta a dénoncé, a commis ma rapport, lobby justice et kangi, lobby et fongoli. Moto abimi, n'est-ce pas? Ils allaient payer mon corps. Il y a ma chute. Oh, ils allaient coquiner. Sans problème, c'est un début. Moi, ce que je conseillerais à l'IGF, Gilles Alingeta, d'avoir un grand cœur. C'est un début. Ce qui est évident, c'est un début. Nous connaissons tous l'appareil judiciaire de la RDC qui s'améliore
à petit feu, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est pas, tu ne peux pas changer le comportement d'une personne en une journée. Ça prend un peu du temps. Appareil judiciaire, ils ont avancé quand même. Certes, ils ont avancé à grands pâtés parce qu'il y a déjà, oh, et kota qui, il fait des rapports, bazo boudeye, et lobby kuna asalaka ende kotoni mwaba. Après, bazongi, oh, batiba la terre. Gilles Aliguet, tu fais... Lobi Bachey, tel ici, à maman à portefeuille, Adèle Kaïnda. Lobi, Tozongi, Balater, Soki, Ezali, Kaka, Bato, ya Union Sacrée, Ozali, comme on a été que moi, recule, moqué. Non, c'est une lecture. La population fait une lecture. Si l'Union Sacrée négocie avec la justice pour que ses siens ne soient pas parmi de ceux qui seront arrêtés, ils seront aussi sanctionnés. Si la justice ne leur sanctionne pas, c'est la population qui va sanctionner demain. Au moins, au niveau de Gilles Aliguet, il fait son travail. Il dénonce qu'il y avait 400 000 dollars que le tournoi... Le gouvernement appelle ça qui pour un tournoi interscolaire. Tournoi interscolaire où le ministre Tony Mwaba, a donné le super ministre de l'EPST, Tony Mwaba, ne parvient pas à justifier. Super ministre, c'est l'un des coordonnées à Mouli. Mais parce que nous, on se disait que le diable... Votre caméra est là. Nous, on se disait que le diable a été Bakonga. C'est ce que tout le monde disait. On se disait la personne qui est venue est venue corriger le diable. Le diable qui a détourné, le diable qui a volé, le diable qui a tout ce qu'on a dit à Bakonga. Quand Tony Mwaba est venu, c'est l'EPST au grand complet qui criaillait en disant qu'on est sauvé. Il y a un avocat qui est venu. Il est venu sauver le ministère. Mais banda toya ki ba soit nina lingete makamuna no liboso kuna. Il y a ba comment on appelle ça, de cartes et tout consort makambo ba 16 millions au réseau et bima qui passe que ndeke mona sali moburu. Mais sali makere ba osongi sango mbangu. Bon, la prime ba enseignant. Il y a ba enseignant, tu vois. Il y a trop de tripotage. Si oh il y a souka oh alingete ne demande juste une justification. Ndekotoni Mwaba vient justifier 400 000 dollars de contribuables congolais. Il y a là qu'on peut s'en rendre la justification. Totangi dans les réseaux sociaux qu'il a remis 160 000 dollars chez Chip Chipamba na Transco. Chip Chipamba, c'est un homme serein, je le cite ici chaque jour. L'espoir y a Transco aujourd'hui entre les mains de Chip Chipamba. C'est un homme, je dis, je précise, un homme serein. Il a précisé, Transco a dit que la zone a 16 000. Donc la facture de Transco a été multipliée, même pas fois 2, même pas fois 3, fois 10. Pour couvrir dépenses à 400 000 dollars. Donc, on a 16 000 et 160 000. C'est ridicule. Moi, à la place de son Excellence Tony Mwaba, s'il n'y a pas une justification à donner par rapport, il y a dépenses à 400 000 dollars. Quand même, tous à la rappeler, na moi, boire. Alors, na bato nyo sou basali kota li sanangambo mosou sou balobite, bato. Union so bazali na ngambo mosusu komeka ko défendre ndoko Gilles Aliguette to pende ko Tony Mwaba balobi ba journaliste ba kabwani en deux parties ba sombi ba journaliste. Qu'est-ce que vous allez commenter là-dessus? Bon, ko ba sombi ba journaliste, attends. Un journaliste, c'est une personne qui fait des analyses. Une personne qui fait des investigations. Et puis atali Ndenge actualité Kotambola peut a diffusé ou il y a qu'on diffusé selon analyse et investigation naïe. Ça veut dire s'il y a une personne aujourd'hui à qui ça la investigation na IGF, à celle investigation na EPST, à moni que Tony Mwaba a raison. Aïe a pessimiso ba preuve que Tony Mwaba a raison. Si on trouve que c'est juste, moi personnellement, je fais des investigations. Nassali Angana Monique, jusqu'à preuve du contraire, Tony Mwaba ne nous donne pas des explications claires et nettes avec preuve. Il y a dépense à 400 000 dollars. Et on commence à coller des histoires à Aliguette. Et Aliguette, quand il est directeur du cabinet de la Bissot, bah, il y a un bacachage IGF. Est-ce que l'IGF est un bacachage au c'est l'IGF peut empiéter sur la justice congolaise. L'IGF n'est pas une justice. L'IGF a un service, il y a inspection, il y a contrôle. Et s'il y a sali rapport à Mémine à justice, est-ce que l'IGF peut faire appel
à Bengisi, directeur du cabinet, il y a ministre à Kangi, yo, bimate le lofo, lo, bambo, et puis non. Ce qui chef à tout niveau, première, deuxième, troisième fois, de lui donner le rapport, il y a dépense là, tu ne donnes pas. Ah tiens, mon balamoko, la côté négativité. Alors, pas... justification, fois ça, là, yango, li bosse, et justice, tout li bosse, yande, koji, la lingette. Ni chef ne fait que te demander le rapport, il y a dépense. UPC rapport bon, on a besoin qui 400 000 dollars. $400 000 au bino au pays. On a besoin qui dans l'État. On a besoin qui 160 000 dollars. On a payé ça qui transco. Pour la bus c'est à la permanente. On a même une équipe. La loi qui terrain 80 000 dollars. La foutre qui motivation d'équipe 40 000 dollars. La foutre qui boit, UPC rapport c'est fini. Hier j'ai fait un inspecteur de la finance. Akei Sikoyo. Malembe, à qui la Transco? Transco, bon, on était à qui pas d'ailleurs à 60 000 aux Ouaki pour la babus au louer babus na tournée interscolaire. Tout coquille au monde a bus dans un moko et loua bagala combien? Ce loua bagala combien? Baloua qui combien? Na ce qui bus pour loua bagala 1000 dollars. Baloua qui combien? Oh, baloua qui 160. Ah, baloua qui 160. Donc 160 bus fois 1000 dollars. Ça fait 160 000. Et c'est bah, 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 la cible. Il y a 1 000 dollars. Il y a deux semaines, il y a loué ça à 80. Mais pourquoi il y a loué ça à 80? Il y a loué ça à 1 000 dollars. Ce sont des contrôles. Oh, il y a fait un sale. Et puis, il y a sali analyse. Il y a sali synthèse. Il y a eu un rapport de la justice qui est Kendaki. Et pas un décotoni moi bas. Na 400 000 dollars, il y a Zouaki. A Louaki, il n'y a pas un Transco, il y a 160 000. Na 160 000, Transco lobby, il y a Zou reconnaître, Mbongo, il y a Recevaki, par rapport à facture, il y a ça là qui, na demande, il y a ministère, et ça 16 000. N'est-ce pas, Ezali Makambo, autant que mon sou, Ezali Peko Lembi, ça bon. Na lobby, te, Kendeko Jila, Lingeta, Lembi, mais ko ki Peko Lembi, ça y est, ko pe sa penda, mon sala, na impulsion, oyoyo. Gilles Ngueté n'est pas un parvenu dans l'inspection et la finance. Il a été monté par le côté, c'est un inspecteur. C'est-à-dire que c'est son travail. A bandi a ngolé l'autre, a bandi a ngokala, l'autre de Nzambé a saliété, a kamba a ngok. C'est-à-dire, ce que les gens, et le coup yo lingaka, le coup a bisso na yo, tu es dans les médias, tu es capé boué, n'a moi candidat. C'est pas ce qui va te pousser à annoncer à ce que les journalistes mettaient parce que trois personnes ont refusé de dans ce moment interview ou non. Ou qui nous ont interviewé à bébé à 3 ans, à ça d'ici ma vue, à ça d'ici ma téléspectateur, qu'on les cabateaux tout yon zaku qu'on rêvait. C'est-à-dire, moi, je ne mettais pas ça en tête qu'Alingete va demain ou le lendemain abandonner parce que Tony Mwaba lui colle au corps. Oh, Akanga qui est directeur du cabinet Nanga. Oh, bah, Gilles Lingueté a remis qu'on sélectionne. Oh, Gilles Lingueté a dit qu'on s'est rendu pardon à Kouzou. Envisagé chef et chef de l'État. A remis qu'on envisage chef à chef de l'État. A son combattre et bataille d'épaisse. A remis qu'on s'est rendu pardon à Kouzou. Et je demande un cabinet occulte. Un cabinet. Et à Ndeko Tony Mwaba. D'éviter le ridicule. C'est quand même un avocat, il est professeur, même tous ses acolytes, dans le niveau immédiat, oh, bah, mon y était, il a raison de pousser des arguments quand même solides, dans le niveau, il y a Tony Mwaba. Ndeko Dede Amouli, tango lelo, nazali kotali sate, impulsion, y a Ndeko Jules Alingete, koki kokita, tango mosu aux yeux, ango penza. Na anglo na anglo nga la zone nga kotalisa ote to zui video moko ndeko moko amwasi aza kotalisa biso les fugitifs Willy Bakonga vivant, il est ressuscité parmi le député national na kati ya assemblée nationale. On va suivre cette vidéo et nous allons revenir dans quelques instants. Au centre du continent, précisément en RDC, il y a eu rentrée parlementaire pour la session de mars. Une session qui devrait s'appuyer sur la révision de la loi électorale, à savoir le nombre de tours pour la présidentielle. Aussi, répondre à la question si les députés provinciaux devraient continuer ou non à voter le gouvernement, mais surtout évaluer le coût des élections. Et
s'est invité à la discussion également un fugitif. Oui, vous m'avez bien entendu, ancien ministre de l'enseignement, M. Willy Bakonga, que l'on savait en cavale. Je vous explique, nous sommes le 16 avril 2021. Willy Bakonga, alors ministre de l'enseignement, est convoqué par le parquet général près de la Cour de cassation. Il lui est reproché d'avoir détourné 1,5 million de dollars destinés à l'acquisition de matériel de lutte contre le Covid-19 dans les écoles. Il aurait détourné également de frais de fonctionnement de son ministère, 62 milliards de francs congolais. Il est reproché enfin la création des écoles et enseignants fictifs. Mais le ministre refuse de se présenter et choisit la fuite. Nous arrivons alors le 20 avril. Le fugitif est arrêté de l'autre côté de la rive, donc au Congo-Brazzaville, où il tentait de s'envoler pour la France. Dans ses bagages, plus de 30 000 dollars saisis. Extradé à Kinshasa, il sera d'abord jugé et condamné à 3 ans de prison pour blanchiment de capitaux. 7 mois plus tard, soit le 24 novembre de l'année dernière, coup de théâtre. Le blanchisseur de capitaux, je ne sais pas si ça s'est dit, et dehors, bénéficiant d'une grâce présidentielle. Mais la ministre de la Justice nous explique que son cas ne peut absolument être éligible d'une quelconque grâce présidentielle en imputant cette faute au procureur général près la Cour de cassation et demande l'arrestation de l'ancien ministre sur le champ. Mais comme dans ses habitudes, le ministre prisonnier part encore une fois en cavale. Cependant, la ministre ne sanctionne pas le magistrat fautif. Hein. Là encore, c'est un peu flou. Jusqu'au 15 mars, la République pensait l'ancien prisonnier en cavale, mais à sa grande surprise, elle le voit au palais du peuple tiré à quatre pingles, prenant part à ses assises comme un député ordinaire. Nous voulons conclure que l'état des droits n'est qu'un slogan, ou cette histoire de fausse grâce présidentielle n'était que de la poudre aux yeux pour libérer un collègue voleur. Madame la ministre, la place des condamnés est la prison ou le Parlement. Madame la ministre, vous nous devez quand même des explications. Au centre du continent, les fugitifs Willy Bakonga, oh Bakanga Kilobi, Batali Sibiso, même la maman ministre Rose Mutombo. Te soki bamoni de ko Willy Bakonga et sengeli azonga na prison po azalaki na kati ya liste ya grâce présidentielle été. Mais to moni ndeko Willy Bakonga azongeli biso na kati ya rentrée parlementaire na bakiti o batonyo so bavandaki ndeko Willy Bakonga a ressuscité. Nangambo na yo. N'est-ce pas, ezali makambo ezali kolembisa. Ndeko de dame. Maman, gota la kaka vidéo, maman, ndeko moi si asali, tu vois que... Ma question a tout ni. C'est ce que je dis, non, c'est un coup monté. Ce sont des adversaires, ce sont des gens qui vont salir Bakonga. Des adversaires. Évidemment, parce que même dans une, dans la vie, dans la société, là où il y a des humains, on a des adversaires, on a des ennemis. Des fois, tu ne te rends pas, même pas compte que... Même quand maman ministre, la justice à l'Oba. Dans l'Obi, elle dit quand maman, il y a une vidéo, elle est vrai. Willy Bakonga n'a jamais quitté ce pays. Il est ma prison. Le Willy Bakonga habite. Ndakouya Willy Bakonga. C'est à quelques mètres de Mongaliema. Le chef de l'État, il est là. Il est là. Bakonga est là. Même au Kondiambo, quand tu es un moto à Kokanga. Tu es dans le pays, Ayebi que Bakonga va naka awa. Je ne cesse de dire ici, Bakonga était à Makala. Si cette dame va me suivre. Glisser vous... sur la liste. Non, Bakonga la grâce était à Makala. Bah, détournement, nyon, son moi, la moisi na biso à Tangi. Tu bétais les mabos. Est-ce que la justice congolaise, et si et Benissa Bakonga Mukolo Moko à la barre, pour lui demander bah, détournement, moi, moi, sur la salle. Attendez. Parce qu'il était entre les mains de la justice. Il était déjà incarcéré. Aki déjà, la Katia Makala. Ça veut dire la justice, c'est quoi, bon, toi, entamé, ceux qui ont cachiné, ceux qui ont la Covid, combien? Ceux qui ont 3 millions, 6 millions. Bah, ben ici, à la barre, bah, avocat, là, bah, ça, ici. Toyokate. Oh, ma détournement, ma école fictive, tu es ma profession fictive, tu es mon enseignant fictif. A ça déjà la makala. Bon, bégui si yé kaka à samedi, sur qui dans 3 ans, bon, baki se lié 20 ans, à comme il a 23 ans. Tout mon athé. Donc, il faut éviter de dire des choses et de contredire la justice. Je sais, c'est l'obani. Mais, bah, samedi, ça, bah, qu'on a un dossier moko. Il y a un bon mois, 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 il y a un bon mois,
Il y a un bon accord dans la frontière. Mais il est resté plus pratiquement 7 à 8 mois na makala. Avant d'être glissé non, sur la liste. Non, tawaza na makala. 7 à 8 mois na katia makala. Là où la justice était en possession de la personne et pouvait le juger na tout le dossier au moins la moitié au bâtiment. Avant d'être gracieux. Non, ma dossier au moins la moitié au bâtiment peut côté la yena au moins la même mutatindi. Pour y'a koko sa makambu. Nyoso ya lobi. Y'a ka disi ndenge ya lobi. Justice et yéba qui a voté si c'était vrai. Pour y'a soba konga et tiaye na bar. Et sambi sa yéba par rapport à ma dossier wana. Comment on peut aujourd'hui, même si on n'a pas de l'estime ou la considération chef de l'État, on peut atteindre le niveau de mettre en doute la signature du chef de l'État? Comment ça? Ministre, na lobby, eh? Y a justice, na lobby, eh? Na biso, na lobby, eh? Mama bi. Bakanga moto, mama na kati ya prison makala, directeur ya prison makala. Toyoka mokolo moko na mboka oyo, ke Willy Bakonga abuki prison. Toyoka mokolo moko na mboka oyo, ke Willy Bakonga à s'évader. Bah glisser y est nakati à liste. Lassé balisté de Willy Bakonga. Azala qui nakati à liste présidentielle. Quelle est la personne présidentielle? Bon, quelle est la personne qui peut avoir l'audace de surcharger l'ordonnance? Il y a grâce présidentielle, il y a chef de l'État. Quelle est la personne? Réfléchissons comme des intellectuels. C'est qu'il va interpeller à nouveau. Potoyo qui pète si quand les combos a signifié que Azali Moko y a un député a outi quelle est la personne qui peut dans ces pays avoir l'audace de surcharger l'ordonnance du chef de l'État puis à qui qu'on bimisa nango moto na katia makala. Est-ce qu'il va recouvrir une immunité naie? Obi. Mais il est Azali libre. Donc à tout moment, il peut être interpellé, député, mais il a perdu un siège. Il a perdu un siège d'Anini. Il était ministre, après ça, il siège d'un suppléant. Il était. Mais c'est là qu'il a été ministre, après ça, entre Kotika la sénateur, Tokoza la députée, Aponaka Sénat. A perdu déjà mandat, il y a député. Tango atikali na Sénat, alinga zonga, tango outi na Brazzaville, petit frère na ya boya ko cede bwende. Et c'est long l'information tout ça. Mais éviter des informations de la rue. Non, mais c'est de ouais, ngeza de la rue. T'es. Si c'est pas de la rue, ce sont de ta niveau. Il y a quand même information, tom subiso sur ton zorato. Nga la kenako lobana TV a bambisi, koutou nga la moni mbisi. Et outi na mibi, na liango. Parce que moi, je sais que. Na ya lobby na somba des cartons na zeli lobby te leona pesa informa na ke lobby oh ye pas avo zeli ya ti ne lo ngala ngala yeto zela. Ce sont des histoires à dormir debout de détracteurs de M. Bakonga qui veulent le salir. Vous soutenez M. Bakonga? Je ne soutiens pas M. Bakonga. J'analyse de faits et le fait qu'ils sont justes. Que tout ce que dès que moi suis à lobby et à ka batumo ba vandisier. Ma cotisier malobané to kotarana chaku bazu monter mon gars sali vidéo ba monter seyé maloba loba boy aye kodé moi français na moi mboka mo tam sou pas azalaki il veut mais tu es en train de suyer la justice congolaise parce que Bakonga était en prison. Si tout ce que cette dame est en train de dire, Bakonga est fugitif. Mais le fugitif, Willy Bakonga. Bakonga devait être interpellé à partir de la prison à Sambaka. Ressuscité parmi les. Les seigneurs, oyo monsieur, bakotisier na monokwa loba, oh alobi. Les détourneurs, Willy Bakonga. On connaît la. Il a détourné quoi? Parce qu'il était déjà en prison et on devait le juger. Nous sommes arrivés à la fin. La justice congolaise. Glissé sur la liste. Tu as confiance. Mais quelle est la personne. La grâce présidentielle. Quelle est la personne qui peut surcharger l'ordonnance du chef de l'État? Et il continue à travailler. Tu retournes à ma question à maman ministre Rose Mutombo. Et ce qui a coupé, c'est maman ministre Rose Mutombo. Deux fois, on comprend. Elle pouvait aussi être distraite. Parce que vous savez les qui.
tant ordonnance il est kaki yeta mususu azalaki na ye na tant ya kutala ba kombo nyoso te à mon avis kombo ndeko. Mais après elle s'est rendue compte de fois que tant mususu yé pas azalaki na erreur les soleils si là. Mais ceux qui va lobby les lobby interpeller ndeko Willy Bakonga à nouveau na ngambo ya justice pote azonga na makala. Mais faut bakanga kaka ye mon côté bakanga kaye na mwana na ye azalaki gracieux ye na mwana na ye to mwana na ye te mokolo alelo azali na makala a baron se babima mwana kutu azaka na 6 mois mwana bima déjà parce que nene na ye kokaki Willy avait 3 ans. Moi, on avait 6 ou 7 mois, Joël Bakonga. Ndeko, Willy Bakonga, ça lit combien? Willy Bakonga, ça lit pratiquement 8 mois. 7 à 8 mois. Bonne chance aux détourneurs. Bonne chance aux fugitifs. Au Pébazali, Nangambo et à Makala. Je peux demander. Naba détourneur, au Bazali, Nangambo et à Makala. Bonne chance, Nabino. Pourtant, au Mosou, au Pélobo, au Kosé, retrouvé. Je peux demander à cette dame. Bobon de la Kami. Nako 5 années, na moi, si yo. Namo Kili, Kosala, Kachakouté. Bazui bakamu ya kotisio lobabo e lobabo azali congolais etant omoso azali pro congo azali ko kapasi ko tala misolo ya République démocratique du Congo nenge zo tala ko lobana ye mama na ko tala ko lobana ye. Mais je comprends qu'elle a des preuves, mais comme azo ba preuve wana me mana justice, elle a droit aza contribuable congolais, elle a droit si elle a des preuves il y a ba détournement à Bakonga a même la justice a porté plainte étant congolais et contribuable congolais. Pourquoi Kakandeko Willy Bakonga a koti na kati ya union sacrée a annoncé kokota na une union sacrée tango abimi na prison a se camoufler moke balobia ke na Canada monsieur balobia ke na France a kenda et se camoufler parce que moi je fais des investigations et de pas zongi interpellation ezalité toloba nini pona union sacrée lelo. Non kokota Willy Bakonga c'est la première personne en kota union sacrée. Ou a mis prison à peine directement mais, à sa famille. La famille politique. Et qui peut perdre. A qui n'a pas perdu. A qui n'a famille politique. Tant que Monique a eu un problème, il a été incarcéré. Tu te retrouves que, attends, ta famille politique, non, mon gars, la haute. Attends, tout le monde a famille politique, non, a rebondi pour la haute. Mais tant que sous bateau, yo, zala qui n'a pas un adversaire, c'est eux qui viennent te rendre visite. Bibiata, yo, na prison. Ngai ya na yo. Natanga ne sika passe na yo tala yo te. Mais moto yo na iboluba na te aka tala yo, aka kolande la yo quand même vie na yo. Lobi lobi ta ozo ke la ka ngai. Singa famille benda na kamikata na kata. Ah, ba singa famille mosu se koma na suka so moni moto ko lukele luwa eh. To komi na suka pona lelo. To pechi yo merci ndenge onzima ki ko répondre na invitation na biso mokolo lelo mais yo onziro ozali ne touche pas. À l'IGF et ne touchez pas à William. Non, c'est pas que ne touche pas. L'IGF, c'est l'espoir d'un pays. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir ceux qui gèrent les entreprises de l'État, ceux qui gèrent le fonds. Il y a l'État où est l'outil d'abus à contribuables, mais à la surveiller. Okay. On veut diaboliser une personne qui aide Nanga Nayo Nayo détourneur. Quand toi tu détournes l'argent qui peuvent aider 10 familles pour l'intérêt à la famille Naomoko, tu appauvris même ma beau frère, ma noko, ma nani, ma nani. S'il y a une personne qu'on veut traiter de diable aujourd'hui, qui cherche à mettre de l'ordre dans le secteur pour être motonio soit kokamba, misolomia l'état, azala na bobangi, il devient le diable. Aussi, ici. Pour leur aussi dire ça, je remercie premièrement Alinguete pour les efforts. Pour ça, là, na secteur naïe, vraiment félicitations. Et je vais demander na ba député provinciaux nyonso ya province na ngaya Maniema, faut pas fungola misu. Hein, faut pas fungola misu. Je crois que je vais faire une émission prochainement awa avant qu'il y ait élection là solo na bango vraiment Maniema et c'est sika auto ça la sous disséquité. Tout sika la sima musika et matata. Pogno, Premier ministre, il a essayé de désenclaver notre province. Et on ne va plus faire cette erreur. Il a repris sa province, il a un sentiment. Il y a mon tout le monde qui les côtés. On connaît qui est capable de faire un bon travail pour notre province de Maniema. Je parle vraiment avec sincérité que Maniema, il faut tout pour
le candidat valable. Vraiment, moi, le doba souka par rapport à ma DG, la CP Lagi Makasi, quand j'ai appris qu'on a suspendu le comité de gestion de la régie des eaux, et ça, c'est mon mingi. Ceux qui ne travaillent pas, ne travaillent pas. Il doit être mis à la porte. Est-ce que le problème est qu'il y a qu'à suspendre la DG à régie des eaux, au pays à SNEL, ou qu'il y a qu'à tirer mis solo pour tes secteurs où on est matin? Je crois, maman Bibi, vous savez, ceux qui ont moni qui battent mis soloté, ceux qui ont moni que na oyoza na ngo tu ne parviens pas à travailler, mais dénonce et démissionne. Ne continue pas à travailler. Mis tout le monde a mis salaté, tout le monde est locoté, yo le baron a mis. Mais le quoi? Pourquoi c'est lui qui est venu à l'OCC, Gabi Lubi Babampouya, Seba et travaille et il restructure l'OCC. Pourquoi Tim Tipamba restructure Transco? Pourquoi Olivier Manzila Asosa Moussano Jefrem. Ouais, on a très conquitté. Basuki dans ma calat. Quand tu ne parviens pas, on est souka dans ma cala. Le moi. Aujourd'hui, on a Jean-Félix Mupande, na cadastre minier. Il a fait une dizaine d'années à Zawana et ça marche. Ça marche pourquoi? Si aujourd'hui il ne travaillait pas bien, on pouvait aussi le mettre à la porte, on pouvait le suspendre. Donnons la chance aux gens qui travaillent bien. Merci. L'IGF est là. L'IGF n'est pas un diable. L'IGF n'est pas là pour Kokolia Misolo. L'IGF est là juste pour contrôler et surveiller la gestion de notre argent. Bon, on a eu ma contribution. Merci beaucoup, Ndeko Dede Amouli, Topesio Mbote. Merci, Mingi. Ndengo, répondant à une invitation, je me suis dit, l'autre, Bandina, au mais on a besoin de la justification à 400 000 dollars. Voilà. Ce n'est pas à moi, c'est M. Tony Mouaba, le ministre de l'Union. Mais Lucas, tout n'a pas de problème. Azan a voyage dans la province, Ndeko Dede Amouli, Bozoa. Mais quand on se fait billet, on a dit, Nambanda, quand on a tout mis, mais Ndeko Tony Mouaba, 400 000 dollars à battre. Gabi, ça va contribuer à au loi du Transco, 16 000. 160 000 moins 16 000, et Tikali Bouine, et Tikali Zawapi. Merci, je ferai de mon mieux. Merci beaucoup. À vous tous, fidèles téléspectateurs de MTV. Merci à la grande équipe technique. Merci à Volding Ituka derrière la caméra, en même temps machine. Merci à l'équipe rédactionnelle. Oye, travaille Nabisho, Lelo Pote, Mosala Oyo, et Monana Kito, Konabanda Konabino, Malamo, Nasson, Nangambo, équipe technique, Sungi Bisho. Na image ya kitoko pote to sangana ki penza na bomoko to kutani mbala sima po na ba information mosusu sino bo garder kimia na mabota na bino Congo ezali moko e kozala jamais divisé to kutani lobi. Ma mission TV, le miroir du monde.